coup, je suis pas prête pour ce vlog. Ça va être un vlog de malade, 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 malade. Les gars, j'ai tellement hâte de vivre ce vlog et j'ai tellement hâte de revoir toutes les images. En gros, je vous explique le contexte. Là, on est mercredi 20 février, il est 15h, je vais prendre la voiture. Je dois aller déposer le chèque pour la location du van parce que dimanche, on est en concours avec Soleil. Donc vu que c'est un van que je loue, je dois déposer le chèque de la journée de location. Donc là, je vais aller déposer le chèque et après, je prends la route direction Paris. Je vais chercher Sacha et on part au concert de l'Homme Pâle. On a galéré pour avoir les places, mais mon dieu, on les a eues. J'ai trop hâte d'y être, ça fait des semaines et des semaines et des semaines que j'attends ce moment. Donc ça y est, on y est, on est le jour J là, c'est ouf. Mais ça ne s'arrête pas là, je vais au concert de l'Homme Pâle, je vais rentrer du coup très tard ou très tôt, ça dépend comment on considère la chose, chez moi. Et ensuite à 4h30 du matin, je pars au ski, donc je pars au ski avec mon papa et ma petite sœur sur 2 jours. On part jeudi, vendredi et on rentre samedi. Et ensuite samedi je dois monter Soleil, préparer toutes les affaires et dimanche je suis en concours. Donc autant vous dire que c'est une semaine speed, c'est une semaine de ouf et je vais vivre que des trucs de ouf. Donc du coup je pense qu'avec toute l'adrénaline je vais pas être fatiguée, mais franchement c'est un truc de malade, j'ai trop hâte. Donc là je m'en vais, je vais allez, donnez le chèque, je pars au concert et je vous filme tout ça, ça va être ouf et je suis trop contente de vous emmener avec moi et je suis surtout trop contente de pouvoir me faire des souvenirs. Voilà, c'est parti, on y va! Je suis du coup arrivée à Paris, je suis dans l'ascenseur de l'immeuble de Sacha qui est en travaux. Et on va aller chez elle parce qu'elle répond pas au téléphone, donc on va aller la chercher. Attention, j'adore cet ascenseur, elle répond pas. Comment ça, on répond pas au téléphone? Je suis bloquée. Si j'ai plus gai, toi dans les yeux, c'est pour me voir venir, le vie. Tu veux savoir comment je vis? Du coup là on est arrivé dans la montagne, on a déposé mon papa à son travail parce qu'on est venu ici parce qu'il travaille dans le coin. Et donc là j'ai repris la voiture et on va monter en montagne. Pour l'instant il n'y a pas de neige parce qu'en même temps il fait ultra chaud, donc normal. Mais je pense que quand on va arriver dans les rues un peu sinueuses, il va commencer à y avoir de la neige. Voilà. Et je suis pas trop fatiguée parce que au final j'ai dormi dans la voiture pendant 4 heures. Voilà, on va écraser une madame qui marche sur le bord de la route. Bon allez, à tout à l'heure pour de nouvelles aventures, des belles petites chutes, des belles petites gamelles dans la neige, des belles petites roulades. On va adorer. Oh, c'est pas comme si on voyait des poneys tous les jours, hein. On connaît pas. Oh, chouchou Tiny! Coucou!
Bonjour toi. T'es beau. Ouah, il est bien gros. Hein. T'es beau, Joupi. Bon, à ce tarif-là, on va jamais arriver dans la montagne. Bon, allez, hop. Oui, je crois que ça enregistre là. Je viens tout juste de rentrer du ski, il est midi 4, je vais prendre mon petit déj et tout, après je vais m'occuper des poneys, entre temps je vais aller chercher le vent, enfin bref, vous allez voir la journée, mais j'ai reçu du coup deux petits colis en mon absence, et ça c'est Shore Riders, alors je sais pas du tout ce que c'est, mais je suis jamais au courant quand ils m'envoient des trucs, à chaque fois c'est des surprises, mais du coup je vais vous faire un petit unboxing en live, ça c'est, ça vient de chez Amazon, et vous allez vite comprendre ce que c'est. Tadam ! C'est du Chatterton orange, parce que bah... Peut-être que vous le savez, mais j'ai un ensemble de cross du coup qui est gris et orange, et je n'avais pas de Chatterton orange pour mettre sur les protects de cross. Et voilà, donc vu que demain c'est concours, demain je mets l'ensemble orange et il me fallait du Chatterton. Et j'ai trouvé sur Amazon et je me suis fait livrer avec Amazon Prime et tout, enfin bref, trop refaite. Donc ça y est, l'ensemble est complet. Et maintenant ce petit truc de chez Shore Riders, enfin ce petit truc c'est hyper lourd. Je sais pas s'ils m'ont envoyé encore. Franchement, va falloir arrêter de me faire des trucs comme ça. Parce que ce genre de surprise, j'aime beaucoup, mais ça m'inquiète. Vous me faites stresser là, à me faire des trucs comme ça, les filles. Oh non. Mais vous êtes des malades. Ils m'ont envoyé deux pantalons. J'ai un pantalon pour le concours de demain. J'ai un nouveau pantalon blanc pour demain. Ah, je suis trop contente. Et j'ai le beige. Oh, je l'adore le beige, je le voulais tellement. Et j'ai un nouveau polo de concours. Mon dieu, vous êtes des malades. Oh mais ça me fait tellement plaisir. Ils me connaissent tellement bien qu'ils ont écrit: je sais que tu préfères les pantalons en taille 32, mais les couleurs claires sont plus jolies quand ils sont un peu plus amples. Merci, 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 merci. Je vais tellement le mettre demain là. Ah, le pantalon blanc, mais merci parce que j'en peux plus. J'ai un pantalon blanc de concours, mais c'est encore un vieux pantalon avec des scratchs qui sont insupportables. Je suis trop contente. Enfin, merci, 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 merci. Je vous aime trop, merci beaucoup. Et d'ailleurs, ça me fait penser que vous avez moins 10% sur leur site à Shore Riders avec le code LELOU10. Voilà, donc franchement, allez-y. Et vraiment, vraiment, c'est une marque que j'aime tellement, mais tellement sincèrement. Genre, merci, 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 ça me fait trop plaisir. Bref, sur ce, avec tout ce blabla, il est déjà midi 7. Il faut que je me grouille parce qu'on a un timing ultra serré. Comme je vous ai dit, ceci est un vlog à 200 à l'heure. Donc je pars manger mon petit déj parce que j'en peux plus, j'ai trop faim. On a fait toute la route, là, on est parti à 7h. On n'a pas fait de pause. Genre, mon père, c'est une fusée, il trace. Donc voilà, maintenant je vais manger et je vous reprends en allant chercher le vent que je vais aller chercher là juste après à table. Bon, je vous retrouve, on est un peu plus tard dans l'après-midi. Il se trouve que j'ai un dilemme. En gros, j'ai récupéré le vent ce midi alors que d'habitude je le récupère plutôt tard le samedi. Il s'avère que Soleil a déjà, comme vous pouvez le voir, son petit pion de tête, a déjà sa petite natte de queue. Donc en gros il reste plus qu'à faire les pions, donc il est plus ou moins prêt. Et ensuite je vais le longer et pas le monter. Donc je me retrouve avec un vent un samedi après-midi où il fait magnifiquement beau. Un poney qui va en concours demain. Donc ça, ça va, on s'en occupe pas trop. Mais ici nous avons un petit Shetland qui n'a pas beaucoup l'occasion de faire des belles balades parce que tout simplement il peut pas marcher des kilomètres et des kilomètres comme Soleil ou comme un cheval de taille classique, dirons-nous. Et j'ai donc décidé que j'allais l'emmener à la rivière en vent du coup,
Donc voilà, on va aller faire se tremper un peu dans la rivière. On va voir, il va découvrir la rivière avec moi. Je pense qu'il a jamais eu l'occasion d'aller se baigner, donc ça va être cool. Et je sais que j'aurai pas l'occasion de le faire 10 000 fois. J'aurai pas le vent le samedi après-midi 30 fois dans l'année. Donc franchement, je vais en profiter. Donc voilà, je vous emmène avec nous à la rivière. C'est parti. On y sèche? On y sèche de là-bas? Tiens, bobo. Ouais. Faut bien monter, j'attends. Oui. Allez. Bon voyage. On est arrivé. Petit état des lieux, là j'ai du coup la selle de dressage, donc ça je ferme, j'essaye de mettre le moins de choses possible dans la voiture. Et du coup dans la sellerie du vent, hop, elle est bien remplie, nous avons tout ça, vive le CCE. Donc là on a du coup les trois filets, donc dressage en premier, cross parce qu'on crosse avant l'obstacle et obstacle. Les trois tapis, dressage, CSO, cross, celle de CSO et de cross. Bombe pour le dressage et pour le CSO, bottes. Là on a du coup la boîte de concours avec toutes les affaires du cross. Et là-bas derrière on a le seau de protection que je vous ai montré tout à l'heure. Sur le côté on a mon gilet de cross. Et là-bas au fond on a mon stick que l'on peut apercevoir. Et d'ailleurs du coup je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié mes petites cravaches pour le cross. Donc va falloir que je mette ça dans la série demain matin, faut pas que j'oublie. Voilà, c'est du coup la fin de ce vlog, j'espère que ça vous a plu, il a été ma foi plutôt sportif. Là ce soir du coup j'ai monté soleil, j'ai pas filmé parce que j'avais personne pour filmer. On a fait une petite détente aux trois allures et on a fait la reprise aux trois enlevés. Ça s'est plutôt bien déroulé, donc je suis contente, c'est de bon augure pour demain. Le vent est prêt, le poney a ses petites tresses. Il y a plus qu'à leur donner du foin pour ce soir. Moi je vais aller me reposer parce que bah je suis assez fatiguée de cette semaine. Donc voilà, vous retrouverez le vlog du concours la semaine prochaine du coup. On n'a plus qu'à croiser les doigts pour demain. De toute façon vous allez avoir les résultats sur Instagram avant le vlog. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir ce qu'on a fait, si on a fait de la merde ou si on a plutôt bien réussi, et ben allez nous suivre sur Insta, vous le saurez. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très vite. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao.